Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du service dropshipping. Là, on va s'intéresser au cas de figure où on n'est pas tout à fait à même de pouvoir livrer tout ce qui a été annoncé. Donc on va partir sur le cas le plus simple. Un client a commandé un article, je ne peux pas livrer. Alors, on va prendre le cas de figure de monsieur Harry Potter, ici. Voilà. Je télécharge son bulletin de livraison. Voilà, on voit que c'est une commande qui porte sur un seul et unique article. Qu'est-ce qui se passe si cette quantité commandée et quantité à livrer n'est plus disponible? Alors, ce qu'il va falloir que je fasse, donc j'étais sur mon bulletin de livraison numéro 17, je vais éditer mon bulletin de livraison. On a vu que c'était par ici que j'allais passer si je souhaitais ventiler toutes les quantités d'un bulletin de livraison sur autant de nouveaux bulletins de livraison que nécessaire, avec l'option scindée. Là, on ne va pas tout à fait être sur la même logique. On va laisser le bulletin de livraison numéro 1, le seul, en l'état avec une quantité 0. Et au lieu de scinder, valider ou autre, je vais forcer le bulletin de livraison. En forçant le bulletin de livraison, je confirme qu'il va falloir enregistrer le fait qu'aucune livraison n'a été faite. Aucun nouveau bulletin de livraison à générer, de fait, puisqu'effectivement, il n'y a aucune quantité qui a été mise, donc rien n'est expédié. Si j'avais eu trois quantités et que je n'avais que deux quantités livrables, là, un nouveau bulletin de livraison aurait été généré pour les deux quantités que je serais à même de livrer. Mais ce n'est pas le cas ici. Alors, si on revient sur ce bulletin de livraison numéro 17, on voit qu'il se passe plusieurs choses. Tout d'abord, il n'est plus dans ma liste. Ensuite, je peux voir qu'il est dans la liste des bulletins de livraison qui sont annulés. Je le vois là, je peux le télécharger, l'ouvrir, et on va voir qu'effectivement, le bulletin de livraison a bien le statut annulé maintenant dans le système. On a en dessous des références un gros aplat, un gros encart qui marque bien que le bulletin est annulé. Mais on va surtout avoir une troisième information qui est qu'on a un certain nombre de quantités qui sont en erreur. Je vais m'intéresser aux erreurs dans une vidéo précédente, une vidéo suivante, et sur la manière de pouvoir traiter les erreurs. Donc, un bulletin de livraison est, devrait être annulé dans sa globalité. Pour le faire, on le fait comme ça, on va dans le menu éditer, on laisse toutes les quantités à zéro et on force le bulletin de livraison. Il y a une quantité ici qui a bien été commandée par un client et il va falloir le rembourser. Donc je vous invite à faire directement un saut sur la vidéo qui porte sur les remboursements d'erreurs pour pouvoir terminer le traitement. Là, on a traité la partie expédition, c'est-à-dire qu'on a acté le fait que le bulletin de livraison qui portait sur une quantité n'est plus valide, mais il y a encore une partie du travail à faire, il va bien falloir rembourser ce client. Et là, je vous invite à faire un saut dans une vidéo qui sera 2-3 vidéos en dessous dans la liste des vidéos proposées. Merci et à tout à l'heure.